Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va à la rencontre d'une moto incroyable que vous avez déjà vue sur mes vidéos. Cette moto, on l'appelle la police parce qu'effectivement c'est une Harley version police. Je pense que c'est une moto qui va vous intéresser, donc on va aller voir ça. Salut mec. Et on va essayer de faire des belles images avec cette belle moto. Allez, c'est parti. Alors, regardez-moi cette beauté. Elle est incroyable cette moto. J'ai la chance de pouvoir la conduire aujourd'hui. Voilà, je vais être un peu en stress. Parce qu'évidemment, vous imaginez, je veux absolument pas causer de problème. Ah là là, c'est un truc de dingue. Donc c'est un moteur Twin Cam 103. Je vous redirai l'année et tout ça avec son propriétaire, l'ours, tout à l'heure. On va faire le tour. Mais là déjà, on va y aller. Puis on va la détailler après. Ouais, c'est bon, je vois. Parti ? Ignition. Ah ok. C'est bon. Là, je reste ici, hein. Ouais, bon. Ignition, c'est bon, hein. Ouais. Parfait. Fais gaffe, le freinage est très puissant. Ouais. Le freinage. Ouais. Freine hyper fort. D'accord. Hein, au niveau du pied, elle freine, toi, à peine ça, toi. Ça marche. Bon, on va y aller tranquille, hein. Ouais, ouais. Je te suis. Tu vas voir, l'embrayage est dur. Ouais. Bon, ça va. Alors on a une position de conduite hyper droite là. Alors tac, la première, elle est plutôt souple, ça c'est cool, l'embrayage est raide. Tac. Ah c'est énorme. C'est énormissime. Alors on a une position de conduite, mes enfants. Allez, c'est parti. Je suis comme un fou. C'est un truc de dingue. Alors là, les commandes de rapport de vitesse,
on monte les rapports avec le talon. Alors, on peut monter les rapports de la même manière que d'habitude, hein, avec la pointe. Mais là, le sélecteur étant très haut, c'est quand même bien plus pratique d'appuyer dessus, quoi. Alors, c'est un moteur 103. Bah, il a la gouache quand même. Hein. Et alors, cette position de conduite est vraiment particulière parce que on est très droit. On a les mains et les poignets très bas. Donc, position de conduite un peu atypique. Moi, j'ai l'habitude d'avoir les bras relevés. On est hyper bien protégé par le pare-brise. Les pieds bien à plat sur les cale-pieds. C'est même des plateaux. Hein. Elle a un son redoutable. Ça claque dans les bas médiums, c'est vraiment agréable. Voilà, je commence à me décontracter un peu. Parce que c'est vrai que pour conduire des engins comme ça, il vaut mieux être décontracté. Hein. Plus tu te crispes et plus tu as de chances de faire une bêtise. Ou de faire une erreur tout simplement. Heureusement, toutes les erreurs ne sont pas irréversibles. Alors, puis j'essaye régulièrement des motos différentes de la mienne. Ça aide aussi à se familiariser avec les différents modèles et différents types de conduite. Alors la première impression aussi par rapport à cette moto, c'est l'avant. Le guidon est beaucoup plus lourd que la mienne. Là, il y a énormément d'équipement sur la fourche avant avec ce dé de cochon. Alors, premier freinage. Bon, ça va. Non, ça va. Effectivement, elle freine très bien. Hein. C'est un gros freinage. Alors, je pense que la position de conduite a été étudiée pour le confort de son pilote, mais aussi pour la maniabilité de l'engin. Parce que c'est vrai que le fait d'être un peu plus haut comme ça, avec un guidon plus bas, ça augmente quand même pas mal la maniabilité de la moto. Hein. D'habitude, je passe toujours les vitesses avec la pointe, alors qu'on peut tout à fait le passer avec le talon, mais ça, j'ai pas l'habitude. Donc du coup, je vais chercher les vitesses. C'est pas bien grave. Alors, c'est marrant parce que j'ai pas du tout l'habitude de rouler à cette position-là, à savoir juste derrière le road captain. Oh, les reprises. Oh, c'est un 103, mais ouf. Ce couple. Oh là 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 là. Je vais me mettre en 6. On va voir ce que ça donne. Ouais, à la reprise, nickel. Oh, c'est agréable. C'est franchement agréable.
à 5500 bornes. Elle a rien quoi. Rien. Ouais, 5600 bornes. C'est un twin cam de quelle année celui-là? 2015. 2015. Ouais. Donc c'est les derniers en fait, dernière année des twin cam. Ouais. Alors c'est bien, il aurait bien gardé, c'est souple. Ouais. Ah, le moteur, ouais, il est d'une souplesse incroyable. Hein. Tous les rapports. C'est, ouais, ouais, c'est pour ça, je pense qu'on a plus de souplesse dessus. Ouais. Alors les dodanes, on les sent pas en fait les dodanes, parce qu'il y a la suspension de la moto et en plus la selle est suspendue, je suis sur ressort, donc autant vous dire que on sent rien du tout. Hey, salut mec. Ah, la boîte est vraiment hyper souple, hein. C'est un bonheur. L'embrayage est un petit peu dur, mais rien d'exceptionnel. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau ça! Donc on a deux petits boutons rouges là, un à droite et un à gauche. Ça c'est les boutons police. Il y en a un, c'est pour les feux, pour allumer les feux police, quoi, les feux rouges et bleus. Et puis le bouton de gauche, c'est pour la sirène. Donc autant vous dire que it is verboten, hein, interdiction de toucher à ces boutons là sur la route, puisque c'est pas autorisé par la réglementation. Alors je pense que les lumières ça peut le faire, mais la sirène plus les lumières, c'est même pas la peine quoi. C'est très très cher, hein. Ça peut aller jusqu'à la confiscation de la moto. Donc ça c'est que pour les rassemblements, festivals ou autres. Alors je reconnais bien les ratatas et les ruptures du stage 1 sur cette moto aussi. Oh, elle est d'une souplesse. Oh. Oh, c'est vraiment agréable quoi. Et par rapport à ma moto qui est beaucoup plus explosive, on n'est pas sur le même type de moto non plus, hein. Un moteur un petit peu en dessous, même si 103 c'est déjà une grosse puissance. Moi j'ai un 107. Et c'est surtout que la moto est plus lourde, la mienne est plus légère, donc il y a une impression d'explosivité plus importante avec la mienne. Oh là là, le frein moteur et la reprise. Oh, c'est énorme. Elle a un frein moteur. Oh, je pense que j'ai pas besoin de freiner, hein. Juste le moteur. Là je me sens beaucoup plus à l'aise que tout à l'heure. Et alors la protection du Bad Twin là, oh, c'est phénoménal. Là on a un gros vent latéral gauche, mais je le sens quasiment pas dans la conduite. La moto est très très stable. Et au niveau de la suspension, elle est beaucoup plus souple que la mienne, il n'y a pas photo. Waouh. Oh là 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 là. Le couple. Incroyablement légère cette moto par rapport à son poids réel. C'est impressionnant. On a juste besoin de pousser un peu sur le guidon, la moto s'incline nickel. Franchement, pour les trajectoires, je m'attendais à un truc vachement plus pâteau. C'est pas du tout le cas, elle est vraiment agréable. Et c'est étonnant de se retrouver quasiment assis, droit, et de pas prendre de vent du tout. Et là, c'est hyper chaotique, là, je suis sur une bande rugueuse qui a été refaite. Et ben, ça passe nickel, quoi. Oh, les suspensions, c'est vraiment impressionnant. C'est incroyable. Merci l'ours pour la confiance que tu m'as accordée. Tu m'as permis de vivre un moment inoubliable. Et je suis prêt à parier que ce sera pas le dernier.
me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée, un bon week-end, une bonne semaine, et on se dit à très bientôt. Allez, ciao !